Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, comme vous voyez. Et aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour qui s'est passée aujourd'hui dans Clash of Clans. Ouais, c'est passé aujourd'hui parce que hier il n'y avait pas ça. Attendez, j'étais dans les troupes là. Ça bug un petit peu. Voilà. Modifie la base, Christian. Non, c'est bon. Modifie la base. Oui, ça c'est pour la guerre, j'ai pas besoin. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon bref, de toute façon on m'attaque jamais, donc c'est bon. Vous savez quoi, on va mettre quitter. Oui. Donc voilà, c'était vous parler de la mise à jour. Enfin de la mise à jour, non. Non, excusez-moi si j'ai dit ça au début. C'est plutôt de la maintenance. Maintenance qui s'est passée aujourd'hui, donc le 31 juillet 2014. C'est pour fêter les 2 ans de Clash of Clans. Comme vous le voyez ici, quand vous allez vous connecter, ou si. Enfin ouais, quand vous allez vous connecter sur Clash of Clans, si vous ne vous êtes pas connecté aujourd'hui. Vous allez voir une petite point d'exclamation rouge, vous cliquez ici, enfin, ça vous mènera dans nouveauté. Et là vous verrez que Clash of Clans fête son 2e anniversaire, c'est-à-dire ces 2 ans gros je pense, enfin ouais je pense que c'est ça. Donc Clash of Clans a été créé le 31 juillet 2012. Et donc grâce à ça, pour fêter son anniversaire, il offre, enfin ouais c'est une offre, moi je pense que enfin je trouve que c'est une offre. Ça permet d'accélérer tous vos extracteurs de ressources pour une gemme chacun pendant une semaine jusqu'au 7 août. Donc voilà, 31 jusqu'au 7 août, quoi. Ça fait 7 jours. Donc voilà, vous pourrez, pour une gemme, améliorer. Oula, non. Ah, excusez-moi, il y a un petit bug là. Il y a un petit bug. Ah, c'est bon, c'est revenu. Excusez-moi pour le bug. Et donc voilà, pour l'extracteur. Voilà. Accélérer tous vos extracteurs de ressources. Donc vous pouvez accélérer l'extracteur, extracteur, oui, avec une seule gemme seulement, alors qu'avant c'était 10 gemmes. Donc moi je vous conseille de profiter de cette offre pendant une semaine. Et pour l'or c'est pareil, voilà. Je pensais que, comme ils avaient dit extracteur, je pensais que c'était juste extracteur, mais en fait il y a les mines aussi. Donc voilà, pour une seule gemme, vous pouvez améliorer l'or et l'extraire. Donc je vous conseille fortement, parce que sinon c'est 10 gemmes. Donc moi je vous conseille de augmenter cette semaine, ça serait pas mal du tout. Et en plus de ça, je vous précise aussi que quand vous allez faire des attaques, comme vous ne serez pas le seul à avoir augmenté vos mines d'or et vos extracteurs, vous allez quand même, grâce à ça, grâce à cette nouveauté, oui, pendant une semaine, vous allez récolter plus d'or et plus d'élixir, parce que ils auront sûrement, les adversaires que vous allez attaquer, accélérer eux aussi les mines et les extracteurs. Donc voilà, et je voulais rajouter quelque chose. Voilà. Ah oui, moi aussi, auparavant, c'était à Noël. Il faisait une semaine spéciale, 2 semaines spéciales Noël, je crois. Et j'avais moi aussi utilisé quelques gemmes. Voilà, je ne sais plus si j'avais utilisé ou pas. Je crois que j'avais utilisé, ou je sais plus. Donc voilà, des fois ils font des offres comme ça, des petites maintenances, oui, pour une seule gemme, et bien vous pouvez accélérer vos extracteurs et vos mines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La petite nouveauté du jour. Donc ça s'est posté aujourd'hui, je postais la vidéo ce soir à 18h. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous conseille de le faire, parce que sinon c'est 10 gemmes au lieu de une là maintenant. Donc enfin c'est une au lieu de 10 à 20. Enfin, ça va être 17 ans de semaine, mais bon. Donc ça vous fait une économie de 9 gemmes par extracteur et par mine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous conseille fortement d'utiliser vos gemmes. Enfin, il n'y a pas beaucoup à utiliser, mais d'utiliser les gemmes dans les extracteurs et dans les mines. Allez, à plus.